זוהר פרשה כי תצא ליום שלישי. רבי חזקיה ורבי יוסי ורבי יהודה אבו עזדי באורחה. רבי חזקיה, רבי יוסי, רבי יהודה, כתיב שור לשמה. אמר רבי יוסי, כל אחד ואחד מינן למה מילה דאורייתא. Que chacun de nous dise quelques paroles de Torah. Rabbi Yehuda Amar. Donc Rabbi Yehuda a commencé. Al Sikolano Avonot Rishonim. Mahe Kademinu et Kule. Tarazak Shabirichu. Vichimuta d'Israël. Nachimlande Inun Avde. Vear Sante. La Mistakal Ahara. Bedinehu. Bar Ihu Mechode. Donc Rabbi Yehuda citait un passage de Télim qui dit ne te rappelle pas de nos premiers péchés. Et plutôt amène sur nous la miséricorde. Alors, il dit, regarde, Kadosh Baruch Hu, avec l'amour qu'il a pour Israël, tellement qu'il les aime, c'est juste lui qui regarde leurs péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Evan de Ehu Mistakal, Vedinehu, Itmale, Aleu, Rachamim, Begin de Ehu, Keab, Rachamim, Albanim. Il dit, comme il regarde leur jugement, il regarde leur péché, lui-même a la miséricorde sur eux. Pourquoi? Parce que comme un père qui a sur ce fils. C'est pour ça que c'est lui. C'est-à-dire, c'est pas d'autre, il n'a pas des intermédiaires. Hein? Comme un père, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre, regarde ce que mon fils a fait. C'est lui-même. Parce qu'il a la miséricorde pour son fils. Alors, la même chose qu'Hachem. Kamada ta mère, Kelachem aval banim, Lachem Hachem, comme il est écrit. Comme un père a la miséricorde sur ce fils. Et même s'ils trouvent en eux des péchés, alors ils passent un à un, ils passent les péchés. Et que van de avar l'on mekame, l'an ishta ar alehu chovin le mehav, shultano le sitra achara, de dina alehu. Et une fois qu'il enlève tous ces péchés-là, et qu'il ne leur reste plus rien, qu'il ne reste aucun, rien à leur reprocher, et maintenant il peut donner le shulton, il peut donner le pouvoir au côté négatif, parce que maintenant, il n'y a pas vraiment de quoi les accuser. A-t-il aimé Chav Kame, qui est Dibak de Meta, et l'un Chovin Kadmaïe de Avar, mais Kame, Rachivaleu. Il dit, un homme vient, et il pêche encore, il répète ce qu'il a fait comme péché. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les péchés qu'il a fait déjà, ils reviennent encore une autre fois. C'est-à-dire, s'il a fait une fois, il est pardonné. Il refait encore. Alors, non seulement il est maintenant coupable de ce qu'il fait maintenant, mais ce pour lequel il a été pardonné, en quelque sorte, ça revient encore. Pour ça, c'est écrit Atikarno Avonot Rishonim. Ne te rappelle pas de nos premiers péchés. De Itrahamecha, l'Ekadimu Aleo d'Israël, la Yachlin l'Ekaima Vealma. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu sur Israël, eh bien, il ne pourrait même pas rester dans le monde, il ne pourrait pas être. Exister, tellement le poids de ses péchés serait important. Begin de kama inul mare de dina kashia, mare teresin, de kama de la torin, de kaime aleu de Israël et là. Étant donné qu'il y a ce qu'on appelle le baal, le baal et hadina kashé, il y a quand même une force de jugement qui est sévère. Et combien est-ce qu'il y a d'accusateurs qui sont là contre Israël en haut pour les accuser? Il m'a dit Agdim Kutcha Velichu Rachami Aleu d'Israël, Adaishkar Bedinehon, Layachli le Kaimame Alma. Donc c'est pour ça, à cause de ce nombre d'accusateurs qui sont là et de regarder la moindre chose pour venir accuser Israël, et Israël ne pourrait pas supporter cette faute-là, il ne pourrait pas rester dans ce monde. Maher et Kademu Rachamecha, Idalanu Meod, Daluta de Rodin Davin, Dula de Rodin. De Kesheran. Pour ça que c'est écrit quoi? Si on continue ce passage, c'est écrit Maher et Kademou la Chamera, vite que vient ta miséricorde, qui dans la lumière, parce que nous sommes très faibles, nous avons un grand manque. Et veut dire qu'on n'a pas des marasim tovim. Tachazé, El Maleis Gelun, Israël, Ovadin, de Kishre, Kame, Kucha, Bilhu, La Kaimil Amin, de Alma. Encore, Sibne Israël, ici, Ibn Israël était plein juste de Marasim Tovim. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien que des bonnes actions. Et qu'il n'y avait que ça, et rien de négatif. Il dit les autres peuples ne pourraient pas rester dans ce monde-là. Aval Israël, Enung Armin, Echar Amin, Zakefa, Reche ou Bealma.
Mais c'est Bnei Israël, à cause de leur façon de faire des péchés, qui donnent la force aux autres peuples de se lever la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qu'on renforce le côté positif, on renforce le côté négatif. Donc quand on fait des péchés, on diminue la force du côté négatif, mais quand plutôt quand on fait des bonnes actions, on diminue le côté négatif, et quand on fait des mauvaises actions, alors là, on augmente la force du côté négatif. On dit, tous les autres peuples ne pourraient même pas tenir, ce ne serait pas possible. Il vient voir, s'il n'y avait pas Bnei Israël qui continuait à faire ces mauvaises actions et de donner cette force à ce côté négatif et d'impurifier la terre, Beretz HaKodesh. Il dit jamais les autres peuples n'auraient pu avoir le pouvoir d'avoir une force dans la terre d'Israël. Ils n'auraient jamais eu la dominer et n'auraient jamais pu les renvoyer, Bnei Israël, de cette terre-là. Yardalonu, ça veut dire la pauvreté. Il dit, délet la rovanin de kacheran ke de kachazé. Il dit, nous n'avons pas de ma'asim tovim. Et celui qui n'a pas de ma'asim tovim, alors il a un grand manque. Obegin kar. Yardalonu me'od, baher ke de mour chamecha. Pour ça qu'on dit Hachem, on n'a pas de quoi. Alors vite, amen ta miséricorde. Hachem le olam, amen, amen.